Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la cage là? Allô? Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? C'était quoi? Et qu'est-ce que tu fais? Il est devenu fou. Non mais t'as fait quoi là avec le téléphone? Eh oh! Salut! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Salut à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières vidéos, tout ça, on a trouvé un téléphone dans un parc. Et depuis qu'on l'a trouvé cet iPhone, il se passe plein de trucs bizarres chez nous. L'iPhone nous donne des rendez-vous, il nous appelle plein de fois pendant la nuit, pendant la journée, pour nous dire des choses trop bizarres. C'est comme si qu'il y avait quelqu'un derrière qui voulait nous faire un piège. Et du coup cette nuit aussi on a entendu pas mal de trucs. Ouais ouais, bien sûr, à chaque fois vous me racontez des choses fausses. Maintenant je sais que c'est faux et que vous me faites des pranks à chaque fois, c'est évident. Tu crois pas au truc du téléphone là? Bah non, non je sais que c'est ton téléphone. Tout ce qu'on a vécu la dernière fois, tout ce qu'on a vécu tous ces derniers jours. Oui bah c'est faux, je le sais. Mais pourquoi, allez, pourquoi tu crois de me raconter des trucs faux? Qu'est-ce qui se passe Lily? Punaise, vas-y ferme la porte, ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe encore là? Oui vas-y. Elle dit que tout ce qui s'est passé avec le téléphone c'est faux maintenant. Bah non justement je voulais t'en parler. Cette nuit j'ai entendu des bruits bizarres là dans la chambre. Pourquoi elle dit ça? Limite elle en rigole maintenant. Bah ouais, ça la fait rire pas moi. Bon allez, donc là on va partir de cette maison. Mais bon, pour partir de cette maison on va devoir embarquer le ça va, attends, parce que voilà, on va pas le laisser tout seul. Oh le pauvre. Allez. Vas-y, change la cage. Hop. Attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la cage là? C'est quoi encore ça? C'est toi qui as mis ça là? Non. Attends. Il y a quoi dans l'enveloppe? Non. Un téléphone? Attends. C'est le téléphone qu'on avait trouvé dans la valise qu'on a trouvé dans la rue. C'est le même. Mais oui, c'est celui-là. Mais on l'avait déposé dans une boîte aux lettres là, à une adresse trop bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? Laisse-moi regarder. Vas-y, il fonctionne. Attends. Parce que la dernière fois, il avait plus de batterie ou il fonctionnait plus. Non, il fonctionne pas là. C'est trop bizarre. Mais qui l'a déposé bizarre. Ici? Oh, donc en fait on avait déposé le téléphone dans une boîte aux lettres d'une adresse qu'on avait eu. Je vais pas vous dire par quel moyen on l'avait eu, tout ça on l'avait trouvé dans la valise bizarre. Et là, l'iPhone est de nouveau là. Ça veut dire que quelqu'un est venu le déposer dans la cage du hamster. Sauf que c'était vraiment enterré dans la cage. Mais c'est trop bizarre. Vas-y, regarde s'il y a d'autres choses. Non, non, il y a rien du tout, hein. Non, non, c'est trop étrange. Et plus étrange, c'est que Lyros croit plus du tout à ça. Comment il a atterri là? On dirait que Lyros a des choses. A des choses à cacher et qu'elle nous le dit pas. J'ai envie d'aller lui demander. Bon, allez, je suis un peu perturbé. Vas-y, ramène Lyros, ramène Lyros. Bon, en tout cas, là, le hamster, regardez le pauvre. Lui, il a dû faire. Ça tombe, il a vraiment vu la personne qui a ramené. Mais c'est. Alors, Lily Rose. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as vu des choses cette nuit? Non, j'ai rien vu, je vous le promets. Parce que regarde, on a trouvé ça dans la cage de Simon. Quoi? Montre. Tu te souviens de ce téléphone là? Oh non, ça veut dire que c'est vrai, que c'est pas un prank? Je sais pas. Ah, mais c'est trop bizarre ce truc. Comment on va faire? Ouais, de toute façon, je sais que c'est un prank depuis le départ. Et moi, de toute façon, j'y crois pas à toutes ces histoires. Comment ça, t'y crois pas? Non, mais c'est. Elle recommence. Apparemment, elle y croit pas du tout. Non. Bon bah, tant pis les amis. Donc nous on va mener encore un petit peu l'enquête. On va attendre que ce téléphone là sonne, qu'on ait des nouveaux indices. Parce que là franchement ça fait 12 heures qu'il a pas téléphoné. Il a téléphoné cette nuit pour faire des bruits bizarres. Il y avait même pas d'indices. Et bon, on va essayer de charger. Bizarre. On va essayer de charger ce téléphone là. On se retrouve tout de suite. Mais Lily Rose, je sais pas pourquoi elle a un comportement comme ça d'un coup. Ça cache peut-être quelque chose. Ça l'a fait rire en tout cas. Bon bah là les amis, on va chercher une solution pour ce téléphone là qu'on a trouvé dans la cage du hamster. Attends, Peppa Pink, donne-moi vite le téléphone là. Regarde, il est là. Regarde ce que j'ai trouvé. Vas-y, essaie de brancher le téléphone à ce câble. Vas-y, essaie. Allez, dépêche-toi. Ça marche, ça marche. On n'a pas de temps à perdre. Oh, c'est bon, on a trouvé un câble, on va pouvoir le recharger. Alors, attends. Vite, bah attends, c'est pas grave, je vais aller en haut, je vais le brancher sur l'ordinateur. Allez, c'est parti. Yes, comme ça, même s'il fonctionne pas, je vais pouvoir récupérer tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est peut-être un indice, ça va peut-être être un prochain rendez-vous, un truc comme ça. Bon, en tout cas, je vais pas prévenir Lily Rose parce que Lily Rose, elle part totalement en cacahuète dans cette histoire. Elle y croyait, maintenant elle y croit plus du tout. Enfin, après tout ce qu'on a vécu, c'est trop bizarre quand même. Moi, je crois plus à leur histoire de fantôme là. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai parlé à une copine et elle m'a dit que ses parents aussi lui faisaient des blagues, mais c'est pas drôle. N'importe quoi. J'étais vraiment bête là de croire toutes ces histoires. De toute façon, je faisais ça pour leur faire plaisir. Bon, bah voilà, les amis, regardez. Là, j'ai branché le téléphone à l'ordinateur, à mon ordinateur, donc pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, désolé encore une fois de cette vidéo là, elle est vraiment faite pas à l'arrache, mais je dois filmer. Comme ça en caméra un peu embarquée pour vous dire tout ce qui va se passer, parce que là je pense qu'il y a des choses qui clochent vraiment étrangement. Et là j'attends que le téléphone s'allume et comme ça on pourra regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, j'espère en tout cas qu'il y aura pas de mauvais. Attendez, attendez. Allô, allô.
C'est quoi ça? Dites-moi, est-ce que Lyreuse a raison? Est-ce qu'il se passe vraiment rien? Allô? Est-ce que vous pouvez répondre à nos questions? C'était quoi le truc de la valise? Oh non, punaise. Ça raccrochait. Putain, on s'est fait appeler. Donc là, c'est la deuxième fois de la journée, une fois cette nuit, une fois maintenant. Et là, il a juste rigolé, il s'est foutu de nous, en gros. C'est trop bizarre, cette histoire. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de rendez-vous, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais il commence à faire noir. Donc franchement, j'ai pas envie de sortir, surtout que c'est le confinement. Bon, allez, on va regarder ce qu'il y a sur le téléphone. Attendez, c'est quoi ça? Fichier, nouveau document, ça vient du téléphone, ça? Ça aussi? Des toilettes? C'est trop bizarre, ça. Et là, il écrit quoi? Lily Rose a raison. Un truc bizarre et code 1469. Qu'est-ce que c'est, ça? Lily Rose a raison. Si Lily Rose a raison, Lily Rose, depuis tout à l'heure, elle dit que c'est un prank, que tout est faux. Ça tombe, tout est faux depuis le début. Et on s'est fait avoir par quelqu'un de notre famille. Ça tombe, c'est un truc faux depuis le début. Surtout, les amis, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Parce que là, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on va avoir la fin de l'histoire dans cette vidéo. Lily Rose, depuis le début de cette vidéo, elle dit que c'est une blague, que tout est faux. Ça tombe, c'est Lily Rose qui a tout inventé. Bon, là, je suis en train de réfléchir un peu à ce que ça veut dire, là, le 1, 3, 8, 6, 7, etc, etc. Franchement, j'arrive pas à trouver la solution à cette énigme. Je me casse les pieds depuis tout à l'heure. Et là, j'ai décidé de téléphoner au numéro de téléphone. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, 8, 6, 7, bah, comme c'est écrit sur le truc. Sauf que ça répond pas. Mais ça appartient à quelqu'un qui s'appelle Étienne Cacatoès. Donc, franchement, je sais pas qui c'est. Je vais faire des recherches sur internet pour savoir qui c'est Étienne Cacatoès. Et ça tombe, c'est la personne qui nous fait un piège depuis le début. Et ça tombe, c'est la fin de l'énigme, je sais pas. Il faudrait que j'en parle à Lily Rose, même à Peppa Pink. Bon bah voilà, là les amis, ça fait... Désolé, je suis épuisé, ça fait 2 heures que je cherche. J'ai laissé Lily Rose et Peppa Pink en bas. Et voilà, le seul truc que j'ai trouvé pour Étienne Cacatoès, c'est ce truc. C'est une marque de masque trop bizarre. Et ça ressemble un peu au masque qu'on avait trouvé dans la rue une fois, pas trop loin d'ici. Donc je pense que c'est encore un indice. Là, je vais aller en parler avec Lily Rose si elle connaît un Étienne Cacatoès et surtout avec Peppa Pink. Mais vraiment, je suis pas confiant. Attendez, j'ai vu un truc passer là dans la rue. C'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'était, ça? Il faut attendez, les amis, il faut que j'aille voir ça. J'ai vu un truc passer par la fenêtre. Attendez, mais c'est une blague ou quoi? Attends, je pense qu'il est caché derrière la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais, Peppa Pink? Peppa Pink, eh oh, il y a quelqu'un devant chez nous, et là, il y a quelqu'un de bizarre. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Il est devenu fou. Non mais, t'as fait quoi là avec le téléphone? T'as touché le téléphone, c'est ça? Donc là, il y a Peppa Pink. Bon là, je vous le filme, mais ça fait 10 minutes qu'il est comme ça. C'est infernal. Depuis que je lui ai dit qu'il y avait quelqu'un devant la maison, il est devenu totalement frappadingue comme ça. Je pense qu'il imite le hamster. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oh, qui t'a rendu comme ça? Eh oh. Non mais punaise. Bon les amis, là je vais devoir enquêter tout seul dehors. Je vais aller devant la maison pour savoir qui c'est. Bon, Lily Rose, je pense qu'elle dort. D'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai pas vue là. Bon allez, c'est parti, on y va. Eh oh, dernière chance là, ça va? Ça va? Eh oh, eh oh. Bon, je pense qu'il est perdu. Je vais mener l'enquête tout seul. Bon bah voilà, regardez, la personne est juste là. Bah t'essaies même pas de te cacher. Mais eh oh, Lily Rose, stop. Mais c'est toi? Mais non, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bon allez, c'est parti. Je dois vous avouer quelque chose. Attends, mais Peppa Pig. Eh oh, Peppa Pig. Peppa Pig. Qu'est-ce qui se passe? Mec, il est devenu du coup, fou. J'ai quelque chose à vous dire. Ouais, vas-y. En fait, depuis le départ, bah c'est moi qui a fait tout ça avec le téléphone, juste pour nous inventer une vie en quoi fait. Depuis le début, c'est toi qui a tout inventé? Oui. Mais c'est une blague? C'est bah, pas possible, c'est dire bah, c'est trop bien, c'est dire que tout est faux. Ah, au moins. Ah, c'est trop cool ça. Ah ouais, c'est vrai. Oh, mais c'est pas possible. Ah, franchement, j'ai cru que... Attends. Allô? C'est toi ça aussi, Lily Rose? Ça, c'est pas moi. Ça veut dire qu'on n'a pas fini avec ce mystère?